Bonjour, c'est Marc et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je vais vous parler du démarrage de n'importe quelle activité. J'en ai déjà parlé, mais il me semble que c'est important de le redire et je l'ai abordé dans le dernier atelier dont je parle à propos de l'échauffement. L'échauffement qui inclut du renforcement, des étirements, de la préparation, préparation mentale, organisation de travail, qui passe par une préparation physique. Et donc, pour n'importe quelle activité qui n'est pas improvisée, mais qui est organisée, programmée, une activité quotidienne que vous devez faire une à deux fois, à trois fois par jour en fonction de vos sessions de travail, et je pense particulièrement à vos sessions de jeu, eh bien, parfois, le plus difficile, c'est de démarrer. Et de démarrer de manière efficace, de manière plaisante, et de manière structurée et organisée. C'est-à-dire que soit vous... Souvent, je dirais, vous avez quelque chose de précis à faire, un objectif, une préparation de concert, une préparation de concours, une répétition, et vous savez ce que vous devez travailler globalement. Précisément, après, c'est vraiment assez personnel, peut-être que tu sais déjà bien ton planning à l'avance, c'est-à-dire que tu ne prends pas ton instrument avant de savoir ce que tu vas faire exactement, peut-être que tu as déjà ta routine de travail, ta routine d'échauffement à l'instrument. Et ensuite, un programme que tu fais régulièrement, peut-être une demi-heure pour commencer, ou peut-être que tu plonges directement dans le morceau, le passage que tu prépares, ou peut-être que tu commences par improviser ton planning, même si c'est de la lecture, même si c'est une musique écrite. Peu importe, tu as peut-être déjà tout ça, mais tu as remarqué que le plus compliqué, c'était parfois de commencer et de commencer efficacement. Et le fait est que ce démarrage peut être compliqué, ça dépend des personnalités, je ne sais pas comment toi tu t'organises, mais le plus simple, c'est de commencer avec quelque chose de facile, de plaisant, et de commencer avec quelque chose de très court. Et là, je parle par exemple de physique. Tu joues avec ton corps, tu joues avec tes mains, tes lèvres, tu joues avec l'ensemble de ton corps, en position assise, en position debout, tu répètes dans différentes positions, tu changes, ou peut-être que tu n'as pas le choix parce que tu es en position assise, comme par exemple le piano, au violoncelle, et tu ne joues que assis. Mais l'idée, c'est lorsque tu arrives à ton instrument, c'est que tu sois complètement prêt, complètement présent. C'est-à-dire que ta tête soit disposée, disponible, sans ramener les histoires du matin, de la veille ou du lendemain dans ta tête, et que tu sois concentré sur ce que tu as à faire. Et pour ça, la concentration, c'est d'arriver à réunir les éléments nécessaires pour trouver la facilité de jeu, la facilité de démarrage. Et donc le démarrage, quand il s'agit d'une activité comme la musique par exemple, elle commence avec des choses très très simples, des cordes à vide, des notes tenues, un échauffement à l'instrument. L'échauffement hors instrument peut paraître inutile et négligé par beaucoup de musiciens, pour les avoir entendus raconter qu'en effet l'échauffement se passe à l'instrument, s'il y a échauffement, en tout cas une progression technique pour que pour échauffer, pour délier, pour se préparer. Et là, l'idée que je vous propose, c'est de vous préparer physiquement en dehors de l'instrument. Chose que j'ai longtemps mis non pas en avant mais en second plan parce que comme je vous le disais, le plus important, c'était ce qui se passait pendant. Pendant, c'est avec votre instrument. Et là, je vous propose 10 minutes. 10 minutes, 15 minutes, résumé à 12 minutes, 10 minutes, 8 minutes, peu importe, un petit échauffement physique. Et même cet échauffement physique, il n'est pas facile à mettre en route. On n'est pas forcément disposé. Mais je sais que personnellement, quand je commence quelque chose, si physiquement je ne suis pas confortable pour X raisons, j'aime intégrer une transition que j'aime beaucoup faire au sol. Et c'est pour ça que je te propose d'essayer au sol, de commencer quelque chose qui serait de l'ordre de quelques étirements, quelques tonifications, quelques renforcements, et que cette préparation pourrait durer 10 minutes, qui me semble une durée assez moyenne, assez... pas trop longue, pas trop courte, pour arriver à te préparer. Et ce démarrage physique, hors instrument, parfois on se dit qu'on n'a pas le temps, on n'a qu'une heure pour travailler. Est-ce qu'il vaut mieux pas jouer trois quarts d'heure super efficace en étant
disponible physiquement et mentalement plutôt qu'une heure en étant à peu près là, à peu près présent et de se dépêcher. Et c'est pareil pour des sessions de 2-3 heures. L'idée, c'est de temps en temps de vous retrouver au sol. Ces étirements peuvent être réalisés toutes les heures, par exemple. Toutes les heures, vous faites une pause, mais une vraie pause où vous vous allongez au sol, vous allez boire un verre d'eau, mais vous vous posez et vous ne faites pas forcément autre chose que de récupérer. Parce qu'il s'agit bien là de récupérer après une séance de travail, de récupérer pour remettre les muscles au repos, pour remettre votre tête au repos, résumer, synthétiser ce que vous avez travaillé, pour préparer la session d'après, qu'elle soit juste dans 10 minutes ou dans 2 heures ou le lendemain. Peu importe, préparer la sortie, c'est super important de résumer ce que vous avez travaillé. Et donc, le démarrage qui parfois peut-être difficile hors instrument, un démarrage physique, je vous propose de le faire et de vous engager à le faire, mais de le faire très peu. Par exemple, un étirement. Vous vous dites, pour ce style de gymnastique, vous n'avez pas besoin de vous changer, de mettre votre tennis, de mettre autre chose que votre tenue pour jouer. Et vous vous engagez à faire un étirement. Et que si vous en faites un, peut-être que vous en ferez deux, peut-être que vous en ferez 3 minutes, peut-être que vous en ferez 10 minutes avec le plan que je vous propose. Peut-être que vous arrêterez à un étirement. Et ça sera toujours ça de prix sur votre préparation physique et votre préparation mentale. Le tout est de s'y mettre. Alors si vous savez que vous vous y mettez juste pour le geste, juste pour l'idée de vous y mettre, et vous dites « Ok, je m'engage à m'échauffer, à me préparer, à me concentrer », ça sera d'autant plus efficace. Ma session de travail sera d'autant plus facile et agréable. Donc la proposition, c'est de démarrer avec 30 secondes, avec 15 secondes, et quitte à faire semblant de vous mettre au sol, de faire un premier étirement, et de vous arrêter là. Parce que vous avez la flemme, parce que vous êtes fatigué, parce que vous n'avez pas envie, parce que vous êtes préoccupé, et ensuite vous vous mettez à travailler comme d'habitude. Je vous conseille évidemment de commencer lentement et doucement pour aller dans un rythme de travail. J'ai trop de musiciens qui me disent « j'ai besoin de 3 quarts d'heure pour être prêt ». Et c'est évidemment trop long. Évidemment trop long si vous avez une heure devant vous. J'ai besoin de 30 minutes pour être prêt, pour être dans mes sensations. À l'instrument, là, je parle. Et il me semble que c'est encore trop long, mais en même temps, tout ça est relatif. Si vous prenez 30 minutes pour faire des bases, comme je vous disais tout à l'heure, des notes tenues, des sons tenus, un travail très lent, très présent, et que vous avez besoin de cette demi-heure, alors c'est OK. Se préparer. Physiquement, mentalement, c'est super important. Vous savez le faire, vous avez des années d'expérience, vous êtes le spécialiste. Hein. Moi, je suis toujours en recherche, en expérimentation par rapport à ça, mais je sais que ça me convient bien lorsque j'ai des choses que je me propose qui sont régulières à faire et qui sont parfois diminuées au démarrage, difficiles, je vais y arriver, au démarrage. Eh bien, j'utilise cette manière de faire et je sais que ça fonctionne. Et parfois, je diverge sur autre chose. Voilà, vous avez compris, je pars sur autre chose et je ne fais pas ma session, mais je m'y suis mis et je fais autre chose. Et c'est OK. Et c'est OK. Mais la plupart du temps, à partir du moment où je me propose un démarrage facile et un démarrage minimal, eh bien, il se transforme en continuité et je réalise ce que j'ai à faire et je le fais avec plaisir et avec facilité. Et puis après, je complexifie, j'organise et c'est ça la préparation, c'est ça l'échauffement, que ça soit pour n'importe quelle activité, que ça soit pour une session de sport, de musique, de n'importe, activité manuelle, créatrice, créative peu importe. Et pour le sport, par exemple, j'aime faire, alors c'est du sport, en tout cas bouger, que ce soit pour la danse ou pour la gym ou pour la course ou pour la natation ou pour quel que soit le sport, et bien je commence de la même manière. Alors c'est sûr que par exemple pour aller dans l'eau, c'est un peu plus complexe parce qu'il faut, le démarrage, il commence par prendre son sac, rassembler ses affaires et ensuite sortir dehors et y aller
Et ça, forcément, c'est plus complexe. C'est pour ça que j'ai toujours choisi des activités physiques, parce que j'aime bouger, qui soient réalisables n'importe où et sans trop de matériel. Et de pouvoir faire du sport dans la tenue dans laquelle je me trouve actuellement. Bon, après, je transpire pas spécialement énormément, donc il faut vraiment que je fasse beaucoup de cardio pour vraiment transpirer, qu'il faut que ça soit vraiment vraiment chaud. Mais je peux faire un quart d'heure de sport dans ma tenue actuelle, bouger, c'est ce qu'on fait toute la journée, bouger, hein. J'aime courir pieds nus, j'aime courir pieds nus et pieds nus, oui, même dans la rue. Et dans la rue, c'est là où on se rend compte que la rue n'est pas forcément sale. Il n'y a pas des bouts de verre partout. Les rues de Paris sont particulièrement propres. Alors c'est sûr que c'est pas ni Genève ou Luxembourg ou voilà des villes qui sont très très propres, mais les rues de Paris ne sont pas forcément sales. Et puis vous vous lavez les pieds en rentrant, plutôt que de rentrer en chaussures chez soi. Nous, on a l'habitude de marcher pieds nus à la maison. Et bien pieds nus avec des pieds propres, il n'y a aucun problème. Et pieds nus dehors, c'est hyper, hyper agréable. En ce moment, il fait un peu froid. Il fait un peu humide. Et donc, les premières minutes, allez, les premières 5 minutes, 10 minutes, vous sentez ce froid dans vos pieds quand vous courez pieds nus. J'avais déjà parlé de la course pieds nus et c'est super agréable. Il y a plein d'avantages et d'intérêts. Et un des avantages, c'est que je peux courir quand je veux. C'est-à-dire qu'il suffit que j'enlève mes chaussures et que je les mette soit dans mon sac, soit dans mes poches, dans un petit sac, et je peux courir quand je veux. J'ai pas besoin de programmer une session. Je reviens de quelque part, je peux courir pieds nus. Je peux courir parce que je cours pieds nus. Bon, ça c'est un peu peut-être probablement fou pour vu de la part de certains. Je croise des regards des fois un peu étonnés. J'ai parfois eu des réflexions, mais des réflexions plutôt plutôt sympathique. Donc, et en même temps, peu importe. D'accord? Si c'est ce qui me fait du bien et ce que j'aime et que ça dérange personne, et en effet, ça dérange personne. Enfin, ça dérange peut-être des gens, mais pas vraiment, quoi. Enfin, vous me comprenez. Et donc, de ne pas devoir organiser et avoir un temps d'organisation avant de commencer quelque chose. Si tu joues, tu as certainement ton espace de travail. Quel qu'il soit, petit, grand, dans ton espace de vie. Mais en tous les cas, tout est prêt. C'est-à-dire que tu n'as plus qu'à te poser, sortir ton instrument, si tu dois le sortir d'une boîte, et jouer. Mais pas commencer à réorganiser, sortir le pupitre, mettre la bonne lampe et tout. Tout est organisé en avance. J'imagine que tu as ça et que tu n'as plus qu'à t'asseoir et jouer. Et au pied de ton pupitre, tu as peut-être 2 mètres carrés. Et 2 mètres carrés, tu peux juste avoir un matelas de yoga, un matelas qui se déroule comme ça, où tu commences par te poser, par t'allonger. Tu commences au sol, juste pour enlever les fatigues, parce que c'est ça aussi l'échauffement, pour enlever les fatigues de ce que tu as fait auparavant. Les fatigues, même si tu n'es pas fatigué, d'enlever les tensions non nécessaires, de repartir d'une position pas nulle, mais presque nulle. Au niveau des tensions et de rajouter les bonnes tensions, un peu d'abdominaux, un peu de dos, un peu d'épaule, des choses très très simples. Et ça, si tu le fais pas, eh bien ça va te prendre du temps à ton instrument, et c'est ça qui va te faire percevoir qu'au bout d'un moment, un quart d'heure, une demi-heure, tu es prêt. Et peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes prêt, pas vraiment, parce qu'au bout d'une demi-heure, vous avez toujours les mêmes douleurs ou les mêmes tensions, tensions désagréables, voire douloureuses, non nécessaire à votre instrument, et votre séance, vous la faites dans cette douleur, avec cette douleur. Et ça, on sait que c'est pas efficace, parce que la douleur, c'est une prise de tête. La douleur, c'est un signal d'alarme qui arrive au niveau de ta tête et qui te perturbe la concentration. C'est compliqué de se concentrer quand on a mal, parce que le signal sert à ça, il sert à te perturber et à te dire stop, occupe-toi de cette région et après tu t'occuperas des mains. Or, des tensions cervicales, c'est hyper fréquent, des tensions inconfortables, hein, je parle. Parce que des tensions, une tension, c'est nécessaire pour jouer. On joue avec des tensions, on joue avec un tonus musculaire. Et au contraire, il faut jouer avec du tonus pour arriver à libérer les extrémités, les mains, les lèvres, les bras, les avant-bras, les coudes, les poignets, même si tout ça reste tonique, tonique et fluide. Et donc, cette tension non nécessaire, douloureuse, envoie un signal d'alarme qui te dit stop. Et tant que tu joues avec ça,
En bout de chaîne, tu compenses. Tu compenses, ça veut dire que tes mains vont s'organiser pour arriver à faire ce qu'elles ont à faire malgré la douleur. Et ça, c'est dangereux. Parce que ces compensations, elles t'empêchent d'être dans un geste technique juste. Et juste, ça veut dire agile et confortable, et voire même agréable, parce qu'en réalité, c'est hyper agréable de sentir quand tout fonctionne. Vous savez, quand vous êtes réellement chaud, c'est-à-dire que quand vous avez tout réuni et que ça fonctionne, et que vous travaillez quelque chose de, on va dire, moyennement difficile, pas quelque chose d'hyper compliqué technique que vous devez zoomer, analyser, décortiquer pour que ça passe, mais quelque chose d'intégré et que vous, mais de complexe, mais que vous savez faire, que tu arrives à jouer avec facilité. Et bien parfois ça passe moins bien et parfois ça passe très bien. Pourquoi ne pas trouver la solution pour que ça passe très bien tout le temps? Et ça, ça dépend de quoi? Ça dépend pas uniquement de tes doigts, ça dépend pas uniquement de tes épaules, mais aussi de ton buste, de ta tonicité globale et de ton état d'esprit du moment. Et c'est ça l'idée, ton état d'esprit du moment. Et bien cet état d'esprit, il peut être préparé hors instrument, juste avant. Juste avant, dans l'activité précédente, si ta tête arrive à se libérer, je ne sais pas, moi tu termines de débarrasser ta table, toi tu viens de déjeuner et tu décides d'aller jouer, bien pendant que tu débarrasses, tu peux préparer ton plan de travail, qu'est-ce que tu vas répéter, qu'est-ce que tu vas jouer. Tu peux commencer à te préparer physiquement en commençant à te tonifier, à te placer dans des positions plus qui correspondent à ta dynamique d'instrument, tonique, grand, large. Mais pourquoi le faire juste avant? Pourquoi ne pas l'intégrer dans ta vie de tous les jours? Pourquoi ne pas intégrer cette dynamique dans ton quotidien? Et pourquoi se tenir correctement, correctement ça veut dire confortablement, uniquement quand tu joues de ton instrument? Pourquoi être conscient uniquement quand tu joues et pourquoi pas en journée? Et donc, cette idée de préparation est une transition qui pourrait te permettre de l'être. Et 10 minutes, c'est rien. Sur une heure de jeu, si tu ne joues que 50 minutes, mais en étant optimal, c'est bien plus intéressant, je le répéterai jamais assez, que de faire une heure en étant à peu près prêt et d'arriver à être prêt au bout d'une demi-heure, parce que se préparer à l'instrument, physiquement, globalement, est plus complexe que de se préparer sans instrument. Donc voilà, mon conseil, j'en parle dans le dernier atelier, il est juste en dessous. Regarde la vidéo, j'en parle un peu différemment, mais regarde juste la vidéo, même si tu ne prends pas l'atelier, ça te permettra d'avoir d'autres pistes encore. 10 minutes de préparation, quel que soit le contenu, 10 minutes de préparation avant ton instrument pour te mettre dans des conditions optimales. Je continue à te préparer des contenus qui tournent autour de toi, de ta préparation physique, mentale, de ton quotidien, de ton organisation, de tes muscles, de tes tendons, de tes articulations et de ta tête pour jouer avec plaisir. On se retrouve demain. Regarde la vidéo juste en dessous. À bientôt.